Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le test de Warcraft numéro 3. L'avant-dernier numéro du test. Tout de suite, le générique et on se rejoint juste après pour le montage. A tout de suite. Allez, le numéro 3 de Warcraft, le test, l'avant-dernier test. Bon, ça, c'est le chapitre, hein, on connaît maintenant. La carte, l'Empire Noir, pardon. Donc, l'abonnement, bon, évidemment, ça, pas prendre en compte, hein, évidemment. Donc, le numéro 4, dans 15 jours. Et le numéro 5, c'est les mêmes pièces. Moi, je connais pas grand-chose de ce personnage. Est-ce que c'est les mêmes ou... Celui-là, c'est un copier-coller, vu que après le test à partir du numéro 4 s'arrête là. Ça, on ne sait pas, on verra bien. Si il le lance. Je pense qu'il va le lancer. Donc, les pièces, poignée de l'épée, le montage. Et la partie finale. Et ben c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce numéro? Tu vois, c'est les pièces. Alors, bon, ça. Ah, c'est en métal. Ah, je pensais que ce serait en plastique. Mais non, c'est en métal, pas mal. Celle-là, ça, c'est en métal. La finition est toujours au top. Si cette collection-là ne la sort pas, je serais quand même déçu. Ensuite, ça c'est en plastique. Tout c'est la même. Voilà, une petite pièce. Les sortir. Et dernier, voilà. Et on a reçu également donc les piles. Ça, c'est en métal, je crois, non? Ah non, j'ai cru. Donc cela, c'est en plastique. Voilà, cette partie-là c'est en plastique et les deux là c'est en métal. Finalement, les vis et la carte avec l'ampoule pour faire fonctionner tout ça. Et ben écoutez, on va commencer donc, on va reprendre ceci qu'on avait demandé dans le numéro 2. On va prendre celle-ci. Et celle-là va monter. Hop, juste là. Comment ça? Eh, franchement, le résultat. Pas mal du tout. On le retourne. Et là, on va mettre donc. Mettre combien de vis? 4. 4 vis BM. Donc, une là. Une là et une là. Voilà donc le résultat. Ça rend vraiment pas mal du tout. Ensuite, on va prendre celle-ci. Qu'on avait reçu évidemment dans le numéro 2. Donc, on va le retourner. Et là, je vais donc mettre ceci comme ça. Hop. Voilà.
comme ceci. Et ensuite, on va mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 vis BM. Donc, à l'intérieur et de deux toits. Voilà pour ça. Oula. Voilà, c'est installé. Regardez-moi ça. Quelle merveille. Quelle beauté. Ensuite, on va prendre ceci. Pareil, on l'avait reçu dans le numéro 2. Et celle-là, hop, on va le mettre juste ici. Voilà. Comme ceci. C'est bien ça. Oui. Ensuite, on met donc 1, 2, 3, 4, 5 vis. 5 vis BM. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà donc le résultat à ce niveau. Allez, on met ça sur le côté. Et on va faire donc l'épée. Le début de l'épée. Hop, on prend ça, ceci. On prend également ceci et on va le mettre. Comme ça, et on passe ici. Ensuite, on va prendre celle-là. On va mettre des piles. Alors, les piles, ils sont là, on les met là sur l'autre. On les met donc à l'intérieur de cette pièce. Allez, ok. Celle-là, on va le mettre. Comme ceci. Ah oui, attendez. J'ai vu un truc important quand même. À l'intérieur, il y a deux vis à mettre. Une là et juste là, ce sera deux vis CM. Voilà, donc ensuite on met cette pièce-là, hop, comme ceci. Et ensuite on met les piles. Et ensuite on met la plaque, donc celle-ci. J'espère que les piles j'ai mis bien l'endroit. Hop. Hop. Et ensuite, on va donc deux vis, une là et une là. Ce sera deux vis CM. Alors ensuite, tant que ça c'est fait. On va donc mettre ces pièces-là donc pour faire la poignée. On va prendre comme celui-ci 3G. Hop, à l'envers. Hop. Voilà. Ensuite, celui-ci le 3H. Ensuite, celui-ci le 3I. Ensuite, le 3E. Et pour terminer,
Le 3H. Ah, s'allume. Donc les piles, je dynamise. Voilà. Ça s'allume. Impeccable. Après, il y a peut-être un mauvais contact. Voilà. Ça s'allume. Impeccable. Voilà. Et hop. C'est bon. Vous appuyez évidemment. Ça marche. Très bien. Ensuite, vous prenez ces deux-là pour faire les guidons. Alors, celui-ci, on va mettre comme ceci. Et donc, celui-là, il va là. Voilà. Et celui-ci. Il va ici. Voilà. Voilà donc pour ce numéro 3 de Wattcraft. Regardez, c'est merveille, vraiment. Quelle beauté. Donc voilà pour le numéro 3. C'est pas là, je vais faire un truc parce que ça n'a pas de. Donc merci d'avoir suivi donc cette vidéo numéro 3. Donc merci à Trividon pour une nouvelle vidéo. Salut!